Salut tout le monde, et aujourd'hui on va parler de la flemmardise. C'est parti. Ah, moi je suis un type atteint de ce cancer. Le mec qui a dû annoncer ça, il est un peu chelou. Ah oui, mon collègue veut vous dire quelques petits trucs. Bien oui, Jamy. Quand quelqu'un est atteint du cancer de la flemmardise, ça va atteindre son cerveau. Et ce cerveau va lancer une impulsion et va se dire « Je n'ai pas envie ». Oui. Merci. Vu que je suis vraiment atteint de ce cancer, je vais vous dire quelques petits records. Alors, avec mon caleçon, on a un record de 7 jours, non enlevé bien sûr, chaussettes de 5 jours, pantalon de 12 jours, t-shirt de 10 jours. Et c'est tout. Ciao. Non, je rigole. Ça va pas se finir ici. Ceux qui disent, ah non, mais c'est dégueulasse ce que tu fais. Ta gueule. Oui. Une petite reconstitution, comment je m'habille le matin. Comment je vais m'habiller, moi, aujourd'hui? Attends, mais si je prends mes habits, je vais passer 10 minutes à choisir et je pourrais pas faire d'iPad après. Non, alors je propose... Là, là, là. Ah oui, aussi, c'est vrai, quand on garde un caleçon 7 jours, il faut pas oublier qu'il y aura beaucoup de caca dedans. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Si t'as pas de caca, c'est que tu es l'homme le plus propre du monde. On peut pas te dépasser. Toujours tellement la flemme de choisir mes habits que je réponds tout le temps. Maman, je mets quoi aujourd'hui? Tellement la flemme en tout que si on me demande de faire deux trucs en même temps, c'est comme demander à un ours d'être végétarien. What the fuck? Enlève ton bordel, s'il te plaît. Ouais, t'inquiète, c'est fait dans 2 secondes, maman. Maman, c'est quand qu'on mange? Quand que veux, mon chéri? Si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu. Et si elle vous a pas plu, mettez quand même un pouce bleu. Lâchez un commentaire. Range tes affaires! Non! Et si cette vidéo t'a plu, abonne-toi. Et tu peux aussi regarder une vidéo. Enfin, fais comme tu veux. Enfin, abonne-toi quand même. Sinon, je te tue.